Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Félicitations d'avoir cliqué sur ce sujet de vidéo qui est peut-être pas aussi inspirant, on va dire, que ce que j'ai pu vous présenter dernièrement sur la rentrée du dégustateur où je parlais des deux types d'arômes, hein, deux types d'accords mets vins, etc. Là, on est sur un sujet qui est un petit peu plus improbable dont j'avais envie de vous parler, mais j'avais prévu de faire la série de la rentrée du dégustateur dernièrement. Donc il y a quelques petits sujets peut-être un peu plus techniques que j'avais sous le coude que je voudrais vous proposer ici, en tout cas au travers de cette vidéo. Donc, et un, si vous avez cliqué par erreur sur cette vidéo, restez là néanmoins parce que je vais en fait faire en sorte de vous présenter de manière simple ces quelques notions qui touchent à la géologie, mais toujours dirigées pour le dégustateur que vous êtes. Donc on va faire en sorte de parler de manière simple et sur des termes clairs, hein, on ne va pas rentrer dans des trucs trop techniques, pour bien comprendre le lien qu'on peut avoir entre la géologie et le paysage de nos vignes, et éventuellement le style des vins. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors, peut-être pour introduire un peu simplement le sujet, vous avez tous déjà entendu parler ou vu en tout cas à proximité d'un fleuve une forme d'étagement qui se forme, donc un relief qui se forme, un peu comme des marches d'escalier. Donc vous avez le fleuve et vous avez sur le côté du fleuve une forme d'étagement qui se forme. Cet étagement, ces marches d'escalier, c'est ce qu'on appelle les terrasses. Et le but ici, ça va être de vous montrer le plus simplement possible comment se forment ces terrasses. Et je vais prendre pour ça un exemple qui va vous plaire, enfin en tout cas j'espère que ça va vous plaire, puisqu'on va parler de la zone du Médoc et des Graves dans le Bordelais. Donc juste une petite parenthèse pour rappel, dans le vignoble de Bordeaux, donc vous avez différentes zones, on parle de manière plus classique de rive gauche, rive droite, et entre deux mers. La rive gauche, c'est ce qu'on a sur la rive gauche de la Garonne et sur la Gironde. Rive droite, donc de l'autre côté de la Gironde et puis de la Dordogne. Et entre Garonne et Dordogne, la zone de l'entre-deux-mers. Et sur ces différentes zones, on a des paysages viticoles différents, des types de vins différents et des encépagements qui varient également. Sur la rive gauche, donc celle que je vous disais notamment sur les Médocs et les Graves, on va retrouver dans certaines zones cette forme d'étagement, cette terrasse dont je vous parle, avec un sol de cailloux, de grave, alors que sur la rive droite, on sera plus sur des sols à dominante calcaire ou argilo-calcaire. On aura aussi des différences entre les cépages qu'on va retrouver sur la rive gauche, dans le Médoc, le Haut-Médoc, dominante de Cabernet Sauvignon, et sur la rive droite, comme le Saint-Émilionnais, on va avoir une dominante de Merlot. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est pour planter un peu le décor. Et donc, la question qu'on se pose ici, c'est sur la rive gauche, puisqu'on prend cet exemple dans la zone du Médoc, du Haut-Médoc, pourquoi on a le long de l'ensemble Gironde et Garonne, Gironde-Garonne, pourquoi on a cette forme d'étagement, pourquoi on a ces terrasses en fait qui sont ici. Et pour comprendre ça, donc je vous le présente de manière simple, il faut remonter un petit peu les temps géologiques et remonter en particulier à l'ère tertiaire. Donc la notion de ère géologique, c'est l'ère, c'est la plus grande unité de temps, hein, et on a différentes ères qui se sont succédées, donc ère primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Avant l'ère primaire, on a le précambrien, et aujourd'hui, on parle plus de primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, il y a d'autres termes, paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque, qu'on utilise. Mais voilà, je ferme la parenthèse, qui est surtout là pour planter un peu le décor. Donc, au cours de l'ère tertiaire, il y a à peu près 40 millions d'années, il y a des poussées tectoniques, sur les plaques, qui ont fait que les plaques ont convergé et qui ont créé des plissements avec la formation de certaines montagnes et en particulier des Pyrénées. Ce plissement qui s'est fait à peu près il y a 40 millions d'années jusqu'à 20 millions d'années, donc ça se fait sur des dizaines de millions d'années, on est sur l'échelle géologique, va créer aussi des zones de cassure sur la croûte, ce qu'on appelle des flexures, donc voilà, c'est la croûte qui se casse. Et ces zones de cassure, de flexure, vont créer donc des creux qui vont constituer le lit des grands fleuves et en particulier le lit de la Garonne. Et donc l'idée à avoir, c'est que donc, dans ce creux, quand il y a eu donc, des transgressions marines, donc de l'eau qui vient couvrir les continents, vous avez donc la Garonne qui va se créer et qui va s'encaisser dans ce lit. Et donc ça veut dire qu'on devrait avoir, alors je vais vous montrer un schéma de toute beauté, hein, on devrait avoir dans cette dépression, dans cette cassure,
le fleuve qui vient s'encaisser. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce que l'on a, c'est un fleuve qui est plus profond et cette forme d'étagement, de terrasse dont on est en train de parler. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a une différence, qu'on n'a pas ça comme paysage, mais qu'on a ce paysage? Finalement, c'est ça la question qu'on se pose. C'est pourquoi on a cette flexure qui se crée avec la Garonne qui s'encaisse et pourquoi, au final, en tout cas aujourd'hui, pourquoi on a eu cet étagement, ces formes de terrasses qui se sont créées. Et en fait, le concept clé à comprendre, c'est qu'au cours de l'ère quaternaire, on va avoir une période dite de glaciation. Donc glaciation, alors quand on parle de période de glaciation, en fait, c'est une alternance de cycles où il fait froid, c'est les périodes glaciaires, et une période de cycle où ça déglace, les périodes interglaciaires. Et alors, quand ça gèle, qu'est-ce qui se passe? Quand l'eau gèle, eh ben, elle s'emprisonne dans un glaçon, enfin dans des blocs de glace. Et donc, l'idée à avoir en tête, c'est que cette eau, et en particulier l'eau dont on parle pour la Garonne, au cours des périodes de glaciation, vous avez des blocs de glace qui se forment, et donc le niveau de la mer qui descend, de la mer, et donc aussi par conséquent, de la Garonne. Et donc, vous avez une forme d'oscillation du niveau de la Garonne, en l'occurrence, qui va descendre, et en s'enfonçant, ça va creuser le lit du fleuve. Donc vous avez donc cette Garonne qui s'enfonce, qui creuse son lit même. Et ensuite, dans les périodes interglaciaires, quand le gros bloc de glace, il fond, c'est un peu imagé, mais vous comprenez l'idée, quand ça fond, vous avez le niveau qui remonte. Alors ça se fait sur des millions d'années, mais voilà, le niveau remonte. Et le niveau, en remontant, va déposer des sédiments. Donc d'abord, des sédiments plus gros, des galets. Et ensuite, quand le niveau se stabilise, on a des sédiments plus fins qui vont se déposer. Donc, vous avez donc le niveau qui remonte, et puis ensuite, vous avez une nouvelle phase de glaciation. Et à nouveau, le niveau qui descend, donc période de creusement, puis de comblement avec sédiments. Et donc, vous avez cette oscillation du niveau de la mer qui, encore une fois, se fait à l'échelle des temps géologiques, mais qui fait que ça creuse, donc la Garonne devient plus profonde, enfin, elle s'enfonce dans la croûte, et puis ensuite, de comblement quand il y a des périodes interglaciaires. Et alors, il y a un autre phénomène qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a aussi donc, le lit en fait, de la Garonne qui va être déporté vers l'est. Vous avez en fait une poussée tectonique, une déformation de la croûte terrestre qui pousse ce lit vers la droite. Ce qui fait qu'au final, ça explique le schéma qu'on a ici. Vous imaginez cette oscillation de haut en bas qui creuse, ce qui fait que la Garonne va plus profondément. Et quand elle remonte, il y a ce dépôt de sédiments qui se fait. Et donc, là, en fait, on peut imaginer à chaque cycle, on a la Garonne qui descend. C'est expliqué de manière un peu simple, mais c'est ça le principe. La Garonne va descendre et être déportée vers l'est. Et en descendant, elle va créer cette notion de terrasse. Ça veut dire qu'on a, le long du système, un giron de Garonne sur la rive gauche, différentes terrasses que l'on va trouver. Donc, si vous avez bien suivi, ça veut dire que la terrasse qui est ici, eh ben, c'est la plus ancienne. Et celle qui est plus proche du fleuve, c'est la plus récente, puisque la Garonne a été déportée comme ça vers l'est. Ça veut dire qu'ici, on a les hautes terrasses, moyennes et basses terrasses. On a plus d'altitude ici et moins d'altitude là, puisque on va descendre au fur et à mesure des périodes de glaciation qui permettent d'enfoncer la Garonne. On va donc numéroter les différentes terrasses en fonction de leur origine. Celles qui sont les plus éloignées du fleuve, ça va être les terrasses 1, et on va aller comme ça jusqu'aux terrasses 6, parce qu'on a un enchaînement d'un certain nombre de cycles, de glaciaires et interglaciaires, qui vont créer l'ensemble de ces terrasses. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même la Garonne, au cours de ces cycles de glaciation et de déglaciation, s'est enfoncée de près de 40 mètres. En fait, on a un delta plutôt, entre les terrasses les plus hautes et les plus basses. Dans le Médoc, vous pouvez voir les terrasses les plus hautes à 35 mètres et les plus basses à 5 mètres. Voilà, donc ça, c'est la première notion qu'il faut avoir en tête. On a des terrasses qui existent, une forme de marge d'escalier qui s'est constituée et qui s'est constituée principalement au cours de l'ère quaternaire avec l'alternance des glaciations et déglaciations qu'on fait bouger le niveau du fleuve et qui explique aussi qu'on ait donc des comblements sédimentaires sur chacune de ces terrasses qui se sont constituées. Et donc, on a ces terrasses dites graveleuses avec des cailloux, des graves que l'on trouve dans les vignobles du Médoc.
Il y a un gros intérêt sur ces terrasses de gros cailloux, ces terrasses de graves, c'est qu'elles permettent plusieurs choses pour permettre en fait un certain niveau de qualité dans les vins. C'est ce qu'on appelle le lien entre le terroir et la qualité du vin. Quand vous avez des gros cailloux, l'idée à voir, c'est que déjà quand il pleut, vous avez un drainage naturel qui est fait puisque l'eau s'infiltre entre les cailloux, elle part en profondeur et donc la vigne va devoir puiser en profondeur l'eau. Donc il y a moins de réserve d'eau qui est facilement utilisable à la vigne. On a donc en quelque sorte la vigne qui souffre un peu, hein, elle est en forme de stress hydrique, et ce stress hydrique est bénéfique pour avoir un raisin de qualité puisque ça joue sur le corps, sur la concentration et sur la complexité aromatique du vin. Autre petite parenthèse, alors en pratique hein, ces terrasses elles sont érodées. Donc il n'y a pas beaucoup de vignobles, on va retrouver les 6 terrasses, on va y retrouver éventuellement un Margaux, mais à Saint-Julien, dont j'ai parlé dans la dernière masterclass de dégustation, ou sur Saint-Estèphe ou sur Pauillac, on a surtout les terrasses 2 et 3 qui sont encore existantes. Ça veut dire aussi que ces terrasses, elles vont expliquer les différences éventuelles qu'on peut avoir dans, pas forcément la qualité des vins, mais dans le style des vins. Parce que en fonction, si on est sur la terrasse 1, 2, 3 ou 4, on a déjà donc une variation sensible en termes de hauteur, mais également en termes de composition, voire en termes d'exposition. D'autre part, en fonction de la proportion qu'on a de graves, hein, en fonction de la quantité de graves que l'on a en surface ou en profondeur, on a aussi cet effet filtrant, un drainant qui est plus ou moins accentué et qui va jouer sur la qualité des vins. Donc voilà les quelques pistes que je voulais vous donner autour de la formation des terrasses donc appliquées au vignoble du Bordelais et en particulier à la rive gauche avec la zone des Médocs et des Graves. Bravo à vous d'être allé au bout de cette vidéo parce que je suis conscient que c'est pas forcément des notions qui sont très simples, surtout qu'avec mes deux pauvres schémas, c'est pas non plus, j'ai pas mis beaucoup de repères visuels on va dire, donc si vous m'avez suivi jusqu'au bout, félicitations à vous. J'espère en tout cas que ça vous a permis de mieux comprendre un peu les grandes lignes, la formation de ces terrasses et donc l'origine d'une certaine diversité qu'on peut avoir dans les vins, enfin dans les terroirs d'abord, et donc dans les styles de vin. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme toujours, merci de la liker, de la partager. Si ce n'est pas encore fait, bah, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve sur les cours et les certifications du COAM sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci, à très bientôt.